ça qui touchait par rapport avec question reboisement, puisque nous connaissons le département Grand Est, c'est un département qui était pratiquement plus touché par le passage cyclone Matthew sous pays d'Haïti. Et c'est un engagement que le président Jovenel Moïse même prend pour capable de mettre dans chaque département un centre de germoplasme et de propagation végétale. Et dans ce sens, je dis, on a invité tous les téléspectateurs pour être capables d'être ensemble avec nous, puisque nous avons une possibilité pour nous capables de suivre comment la construction centre ça lui-même lui avancer. Nous n'avons pas parlé là. Et là, nous avons quitté communément Frère Junior Lindor, nous avons rentré dans le département sud-land, nous avons profité de camper sur la route nationale, puisque il y a un travail qui a fait au niveau de la route nationale, un travail qui est en deux parties, puisque d'abord, il y a un travail qui a fait pour capable de répondre avec la question d'urgence. Nous avons notifié toujours dans le cadre du cyclone Matthew qui était passé sous pays. Il y a un peu de zone, il y a un peu de route qui était touchée, dans ce sens, il y a un travail d'urgence pour capable de réparer la route, et surtout qui touchait l'aspect gabionnage, que nous avons parlé de spectateurs possibilité pour capable garder ça avec nous. Et deuxième partie qui pourra l'étendre une continuité par rapport avec travail construction route nationale pour mener dans le département Grand Est. Et ces films Estrella lui-même qui a exécuté ensemble travail ça sous supervision l'État haïtien. Nous quittons la commune Mafran, nous passons route nationale là, nous allons tout dans la commune Corail Serge Lindor, puisque nous avons notifié pour les spectateurs très bientôt. Commune Corail pour gagner possibilité pour capable recevoir fête patronale en fin mois de juin là. Et pour cela week-end ça travail caravane changement ont fait un petit campé mais de manière très momentanée, puisque y a pas gain pour capable reprendre cela information que dériver jeune dans mes responsables d'ici semaine prochaine pour capable continuer préparer par rapport avec fête patronale ça qui a pas gain pour célébrer en fin mois de juin. Donc ensemble ça aussi à Junior Lindor n'a pas invité téléspectateurs rester branchés télévision nationale d'Haïti, puisque vous avez une possibilité pour capable suivre ensemble avec nous ensemble visite ça une défaite souterrain pour eux même dans l'idée pour capable permettre une idée de comment travailler qu'avant changement lui-même lui avancer dans la réalité. Ricardine des Anges depuis le département sud télévision nationale d'Haïti. Merci à peu Ricardine, nous va faire mon retour trop, nous va regarder comment ça y est sur Jérémie. Nationale d'Haïti n'a pas poursuivre ensemble avec sa mère on est dans le département Grand Est pour nous permettre de comprendre le coup en réalité dans la ville provinciale même par rapport avec ensemble travail qui a fait dans le cadre de 40 changements. Très certainement pour nous arriver dans le département Grand Est, nous passons dans plusieurs routes et pour cela nous sommes capables de constater que il y a un travail qui a fait toujours dans le cadre de 40 changements sous le département Grand Est qui est en plusieurs tronçons. Et je dis à la nous pour permettre de comprendre le coup en travail ça même mieux parti dans la zone Sao, puisque il y a un travail qui est parti dans ce sens, qui allait d'abord dans le travail du jeune, c'est-à-dire ensemble de travail qui a fait dans l'idée pour capable de réparer des dégâts cyclone Matthew qui a fait pour le passage sous le pays d'Haïti, notamment le département Grand Est. Mais en même temps, il y a un travail de continuité ensemble avec la route qui a fait, puisque il y a une construction route département Grand Est, même qui a fait, notamment la route qui vous menait vers ville Jérémy. Et là, pour jeudi, on est capable de constater que le travail d'urgence est en sur plusieurs tronçons. D'abord, nous avons constaté dans une zone rivière glace, au côté que nous là exactement, puisque il y a un travail gabionnage qui a fait dans la zone ça, de manière à ce que capable de réparer ensemble des dégâts que Mathieu a causé sous tronçon route ça. Et ceci dans la rivière glace, nous dépassons dans la zone Gomier, côté qu'il y a un travail qui a fait sur route là, et également les Corbera, qui y a un travail élargissement qui a fait dans la zone Corbera, dans le département là pour mener Mouno à l'épidémie en toute sécurité dans diverses villes, dans le département de Grand Est. Très certainement, nous allons vivre une image comment travaille ça même avancé dans le département de Grand Est. Nous avons noté pour que travaille ça même fait dans le cadre de avant changement et ses compagnies Estrella qui ont exécuté le travail ça sous direction l'État haïtien qui a pas supervisé le travail ça yo, et surtout le travail ça a fait sous route département Grand Est, notamment route qui pour mener vers ville Jérémy. Ricardine des Anges depuis le département Grand Est, télévision nationale d'Haïti. Bye-bye.
Travail d'urgence, c'est des travaux de réparation après cyclone Matthew. Parce que il y a plusieurs éboulements qui étaient faits sur la route là. Alors, comparé à ce qui a commencé depuis en octobre, et fini le 22 juillet. C'est la date ça a été gagné pour émettre travaux d'urgence. Après ça, pour être capable de continuer le projet pour finir la route là. Là, nous sommes dans la zone Rivière Glace. Bonne explication sur le travail qui a fait précisément dans la pointe Rivière Glace. Le travail qui a fait dans la Rivière Glace actuellement, il a fait des poses gabion. Ça veut dire débouer l'ancien gabion qui est endommagé, plus construction des gabions et nouvelles. Bon, surtout Rivière Glace, nous sommes capables de dire que ces gabions, c'est pour protéger la route là pour. Pour éviter de l'eau à endommager les chaussées. Bon, nous, capable de dire, comme sous supervision, nous avons travaillé en plus tout. Et le projet, c'est nous connaissons route et la construction route en Haïti. Partout dans le monde, c'est développement. On est, c'est longtemps, nous avons fait 3 jours, 4 jours pour sortir Jérémy pour aller pour Port-au-Prince. Mais on est capable de dire, nous sommes capables de boire de l'eau. Et manger Jérémy, là, le bois de l'eau pour Port-au-Prince, environ 5 à 6 ans, on a pris le temps entre Port-au-Prince. Alors, tout là, tu commencé, mais tu es crampé, mais qu'on a continué pour être capable de pour être capable de terminer, pour être capable de gagner et faire transport plus vite, pour être capable de jouer une route, pour voyager bien à l'aise. La protection c'est pour l'autre là. Pour ne pas débouler parce que l'elle fait gauder les lapes, il a lâché et puis il est tombé. Si toutefois il t'a fait comme ça, il va pas faire rien. Si tout côté, si on a accompagné le travail, si on a fait tout côté, il ne doit faire aucun ravage. Son travail qui est en protection pour l'autre là. De toute façon, vraiment vrai, il y a une rivière qui passe au bord route là. Qui t'a demandé de protéger pour être capable de plus protéger toujours. Mais normalement, on connaît ce compagnie qui vient lié. Ceci que si ton compagnie qui était fait en Haïti, je pense qu'il était capable de protéger, qui était capable de prendre toutes précautions pour protéger l'autre là, les rivières viennent avec une force pour pas débouler l'autre là. Ce que je me demande tout, peut-être l'autre monde qui a une plus de compréhension, qui a parlé ensemble avec nous, dans la rivière, pour qu'il choisi de faire une protection dans la rivière avant que pour l'eau arrive dans la route, pour qu'il y ait une force de l'eau juste pour nous faire une protection. Okay. Pour un peu de monde qui ne pas connaît, il y a pas qui ça gabionnage là. Expliquez-nous qui ça gabionnage là même lié, qui ça la utile là au fait dans zone là. Gabionnage là, c'est ce que son bail qui sortit en forme de conservation sol, mais au fait dans l'autre système. C'est que yo tout marre juste pour capable l'aide l'eau vient à en force ligou ensemble avec de l'eau qui pour capable protéger ça yo mettre le protéger. Donc me pense moun nan zone nan yo même yo comprendre pour qui raison qui là pour qui big li qui fait li là yo pa pral ni nan gaye gabion pour retirer ni roche là-dedans pour faire l'autre travail. Et me pense tout moun nan zone nan yo moun ki compréhension yo konn pour qui ça là yo protection li y a protéger le tout jusqu'à ce que pour capable travailler capable venir sortir en réalité pour demain. Est-ce que nous-mêmes dans la zone, nous pratiquement satisfaits de travail ça? Oui, vraiment, nous sommes très satisfaits. Nous satisfaits. Ce que nous demandons pour être capable d'encourager les compagnies à toujours pour faire plus de travail et pour être capable de protéger la zone pour nous. Voilà pour la réalité du travail qu'a fait sur route qui menait vers Jérémy dans Grandens. Ricardine des Anges a annoncé dans l'introduction. Il était fait un coup de pied dans l'espace qui pourra accueillir 100 jamoplaces pour Grandens. Pas oublier, il y a 200 jamoplaces qui sont déjà inaugurées. L'idée, c'est augmenter la couverture végétale pays. Mais tout l'idée, c'est aider Timounio à gagner un plantule pour participer
dans le reboisement. D'ailleurs, le président souligne, eh bien, le reboisement pour la matière obligatoire dans l'année académique qui a privé là. Nous allons regarder comment ça y est, préparatif pour mettre campé sans jambes au place en grande salle. C'est Marfran et Saint-Lampier, Ricardine des Anges, pral, et que nous comprenons comment les préparatifs ont avancé quoi y est là. Nationale d'Haïti, je dis à la nous dans la commune Mafran, dans le département de ce pays d'Haïti, puisque nous connaissons que caravane changement qui est en sous ensemble territoire national là. Et chaque commune a une possibilité pour recevoir travail qui estime plus important pour lui. Et je dis à la nous avons une possibilité pour nous permettre de découvrir un centre germoplasme dans la commune Mafran, bien sûr, qui est en construction. Et pour ça, nous avons pour nous capables de garder ensemble avec le responsable de travail, ça, qui est l'ingénieur Emmanuel Fils, qui lui-même pour porter toute précision pour nous par rapport avec un sommet de travail qui a fait jeudi à la en dessous de germoplasme ça qui dans la commune Mafran. Namzo, bienvenue sur Télévision Nationale d'Haïti, ingénieur. Bon, déjà bienvenue RTNH, merci pour ce service là, merci pour accompagnement avec la communauté hein. Et puis disons bien dans le centre de germoplasme à Mafran. Déjà, on a annoncé, nous, ensemble avec moi-même qui est responsable, je dis, mais de manière technique, ben, téléspectateurs, avec téléspectatrices, ils ont une idée de comment travaille Saint-Homme Germoplasme, même il y a 20 ans que je dis là. Bon, disons, mieux, le travail là, nous avançons très bien. Nous commençons le travail à démarrer depuis octobre dernier, année dernière. Mais pour l'instant, nous prenons un petit break. Mais en cas d'état d'avancement, nous avons 90%. État d'avancement, c'est que l'EMZO a 90%, c'est que ça crée ses finitions, ses peintures, monter les portes, y compris le travail hydraulique, c'est au même crédit seulement. Mais par contre, on est capable de regarder, nous avons, parce que ça, c'est ensemble côté ombrière, et c'est, chaque ombrière mesure, nous avons un total de 250 mètres carrés. C'est que nous avons 8 ombrières, nous avons 2000 mètres carrés ombrières qui là, pour être capable de conserver les plantes. Ça, c'est ensemble de plantes. Je pense que c'est comme ça que nous travaillons dans la commune. Nous n'avons pas avancé avec lui. Je pense que nous-mêmes, nous avons fait tout ce qu'on a pour être capable d'avancer. Bon, sur l'espace-là, nous sommes à 5 hectares. Pour l'espace-là, l'ensemble total. Mais de jour en jour, nous avons grandi le tour de côté. Nous avons été appropriés, surtout pour monsieur, pour partie. Plantulio, nous devons nous écouter nous font avancer sur quelques territoires pour nous bailler forme, ça nous besoin. Okay. Mais c'est comme ça. Mais là, il y a combien d'ouvriers que nous y ayons dans cette diapositive pour capable permettre que le travail soit fait depuis le démarrage jusqu'à aujourd'hui? Bon. Dans le démarrage, là, nous étions ensemble. En valeur moyenne, nous étions à 102. Mais chaque jour, toute équipe travaille, nous avons ensemble équipe qui travaille, nous sommes à 102. Mais quand on a une diminution, on travaille là, nous ralenti, mais pour le moment là, nous sommes à 70, les ensemble. Une organisation il parle vient de nous-mêmes en tant que technique. C'est phase technique, nous y est. C'est technicien nous y est. Nous pas il parle vient de nous-mêmes. Souvent les gars viennent avec bio qui a travaillé pour lui. C'est quoi remarquer, c'est Green Trees, c'est pour lui notre travail. C'est les gars avec lui, bon, d'autres finances. Bon, c'est que eux-mêmes sont capables de plus d'informations sur ça. Donc, merci à vous-même, ingénieur Emmanuel Fils, Télévision Nationale d'Haïti, à vous, bien sûr, et surtout, nous avons fait un bon travail dans le cadre de construction de cette germoplasme là. Bon, c'est nous-mêmes qui pouvons remercier pour ce service là. Voilà. Et puis, par contre, nous remercions RTNH pour couverture de la centre germoplasme dans tout le côté passé. Mais comme ça, ça a félicité. Merci beaucoup. Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti, tout à fait. Suivant ensemble avec nous, intervention Emmanuel Fils, qui est ingénieur responsable construction centre germoplasme qui trouve dans la commune Mafran. Très certainement, nous avons regardé l'aspect technique qui gagne dans la construction centre germoplasme là. Et pourquoi pas, nous allons permettre de gagner tout de comment centre germoplasme va gagner pour fonctionner, qui va les plantules, qui va bien pour faire la donnée à la bien, comment entretien pour gagner pour faire dans centre germoplasme là. Et pour nous capables une réponse avec toute question ça haut très certainement c'est un agronome qui pourra aller porter toute précision ça pour nous. Il y a près de 200 000 plantules en fait qui en croissance en développement disons, mais centre là il y a une capacité de 4,5 millions plantules donc cap fait en 3 portion, donc et disons 1,5 million tous les 4 mois. Nous avons gagné diverses espèces, donc nous avons gagné des espèces fruitières et nous avons gagné des espèces forestières. Donc, et pour le moment là, nous avons
En termes d'espèces, nous avons d'olives. Nous avons environ 50 000 d'olives, donc, qui sont déjà prêts. Et puis, nous avons cacao, nous avons labapin, nous avons véritable, nous avons bois blanc. Donc, ces espèces qui sont prêtes actuellement là. Dis-nous, pour qui ça c'est d'olives là? D'abord, parce que nous connaissons d'olives là, c'est un cas de dire, mais nous connaissons les gens manger d'olives. Donc, dis-nous d'abord pour qui ça c'est d'olives là, que nous avons pratiquement qui déjà apparaît dans cette là. Ok, d'olives là sont plantes qui ont en pile valeur. Donc, peut-être que en Haïti, nous pas bali valeur qu'elle méritait, mais qu'on a nous-mêmes nos besoins et promouvoir toute valeur que d'olive blanc lui-même les gagne. Donc son plante qui résiste à la sécheresse, n'importe quoi on mette les levé, donc cap très adapté et la question reforestation et puis tout, j'en dis là, mon yo mange le tout, yo mange feuille là, yo mange goustan et gon paquet d'autres bagaille en termes de maladies que ou capable d'utiliser d'olive blanc pour combattre maladie ça. Importance sante là. Dans une commune de Comarfran. Donc, bon, c'est si on regarde bien. On regarde vers ça là et où est au dégradé, surtout après mature, donc on a perdu pied fort pied bois au té gain. Donc, une grande dégradation qui fait. Donc, sans ça qu'on a là, il pral permettre que non seulement nous reboiser commune Marfran, mais en pile l'autre commune tout dans département, la permettre que nous recouvrir ensemble avec pied bois encore. Moi vraiment à encourager disons gouvernement en place temps et féliciter le tout pour décision ça que le prend mettre un centre germoplasme dans chaque département yo. Donc moi voulais tout pour mon yo encourager ensemble avec travail qu'a fait là parce que il est bon pour communauté, il est bon pour environnement et puis me penser tout comme ça nous gon meilleur avenir. Donc ensemble avec centre ça yo et nous gagne environ et 4 bâtiments et plus son cuisine. Alors, l'un des 4 bâtiments, nous avons un entrepôt, nous avons un centre de compostage, nous avons une administration et nous avons une résidence. Plus nous avons une cuisine d'eau pour permettre que les gens qui peuvent résider dans la zone soient capables de fonctionner. La dernière fois que le TNH est passé, bon, ici, nous avons une structure dans l'équipe. Maintenant, vous avez remarqué que nous avons été couvrir et grand pile travail en fait en dans auto et tant que porte fenêtre tout gétant installé pour le moment et actuellement nous en partie et ombrière là vous êtes capable de marquer nous environ 6 là pour le moment nous t'es plus normalement là c'est nous t'a fait partie structure métallique par exemple ça nous les bâtiments pour qui va loger et différents et choses. Et actuellement là nous nous finis partie en brière honnête et t'as aucun remarque nous qui est en peinture en blanc tout ça sauf que nous avons une toile là pour mettre sur toile là déjà là et boss qui a mis des toiles là déjà en haut tout pour venir mettre des toiles là. Actuellement nous on a fait deuxième phase là c'est triangulation t'as aucun remarque le toit à terre ou après une bonne pièce qui est en fait à terre et j'ai entendu visiter les dans l'espace côté nous camper là. C'est mettre des triangulations en l'air pour capable venir couvrir tout pour capable bien fraîcheur sur tout espace ça là. Nous en phase non quinzaine de jours encore même personnellement et parti pas non nous presque à terminer à partir de non quinzaine de jours encore passé. Tant comme me dit la dernière fois que me dit ensemble avec TNH et moi, c'est son initiative pour que tout le monde dans la société a supposé à encourager. Puisque nous pensons que le développement n'est pas pas. Et ça me dit création de richesse. Et création de richesse là, on va voir tout et au niveau de la nature et tout. Donc c'est pied bois. On a préparé, comme on dit que ce n'est pas mettre pied bois pour pied bois, mais mettre pied bois qui est capable de produire des fruits qui peuvent permettre nous que non seulement nous avons des fruits dans le pays pour nous consommer. Et deuxième, s'il le faut tout pour nous des fruits à l'exploitation. Moi, c'est une très belle initiative qui m'a dit que tout le monde a supposé dans le pays s'encourager. Et puis comme tu as utilisé. Micro TNH là tout dernièrement, je dis que plateau central c'est une zone, c'est la moins originaire moi personnellement et là me sorti. Moi c'est son zone qui besoin on sent comme ça
Et je continue à encourager le gouvernement, encourager tout le monde qui est capable de prendre l'initiative ça, pour être capable de voir si pencher sur le plateau central suite. J'espère si Mathieu si le président a fait ça pour nous. Et puis moi, agronome est venu, il mettait pied bois et il a planté. Et puis tout le monde très bien grâce à Dieu. Parce que il vient mettre pied bois, l'État est tant écrasé pour nous. Et puis il vient après former pied bois pour nous dans la zone. Et puis ça permet tout. Demain, c'est vrai, nous venons au long de bras dans la zone. Parce que ça tant écrasé, il vient remplacer pour nous. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, nous sommes dans Sainte Germoplasme de propagation végétale dans la commune Mafran, dans le département Gadest. Nous avons bon idée de comment la construction de Sainte-Sila lui-même avance. Nous avons noté pour que la capacité de Sainte-Sila lui-même la pétanée soit en valeur 4,5 millions de pieds bois chaque année. Et film qui a exécuté le travail ici, c'est Green Trees Service sous direction ministère environnement. Nous avons noté pour que Sainte Germoplasme place à l'ivni sous initiative président de la République là qui prend responsabilité pour capable construire dans chaque département un certain germoplasme dans l'idée pour capable reboiser pays d'Haïti. Télévision nationale d'Haïti, Ricardine Desorges depuis département Grand Est. Merci Ricardine. Là, on a pris le département sud, nous prenons les Anglais pour nous regarder le travail qu'a fait dans la centrale électrique, les Anglais, qui a pris un gros frappe pendant le passage Mathieu. Comment travail pour réparer la centrale ça y est et qui ça travaille consiste. Et puis, qui gens vont comprendre ça qu'a passé parce que, au fait, ça prend l'idée, n'est-ce pas? Et les Anglais ont gagné accès à la courant électrique sans trop grande difficulté. Les Anglais, tout, qui ont expérimenté et qui ont préparé la question 24 sur 24 là. Nous parlons tout ça et avec le reportage ça qui était préparé pour nous, puisque l'équipe TNH là, te font coup de pied dans le moment M. Damio a passé main dans la centrale des Anglais à ce moment-là. Travail là, les résumé en quelque sorte, côté que t'es grand pile panneau qui t'es chiré. Nous allons voir ça bientôt. Et nous gagnons des rails côté que qui t'es couchu, tout ça. Donc nous réparer tout, tel que t'es gagné en toiture qui t'es chargé panneau sur eux. Nous prenons, nous mettons des structures qui sont vraiment renforcées par rapport avec structures qui t'es gagné antérieurement. Je dis à la nous utiliser des panneaux polycristallins ainsi que des panneaux monocristallins, mais ce sont des panneaux allemands de très bonne qualité, qui sont très efficients. Nous utilisons des panneaux 295 watts, nous utilisons des panneaux 260 watts. Nous sommes c'est fini, donc nous n'avons pas avancé d'arrache-pied et président, comme l'a lancé le courant 24 sur 24, nous-mêmes Green Energy, nous croyons dans sa tour, n'avons pas avancé. Nous-mêmes nous entrons dans le cadre d'aménagement système là. C'est-à-dire que la compagnie HPAC International, c'est les mêmes qui gèrent le domaine ça. Pour nous, par exemple, Madame Wendy, c'est les mêmes qui gèrent tout le détail ça. Nous-mêmes, nous, c'est réparer partie DCA, c'est-à-dire que génération solaire là, pour système opérationnel. Panneaux solaires qui étaient gagnés avant, ce sont des panneaux solaires 250 watts, mais c'est SolarWorld, de très bonne qualité. Et nous toujours utilisons SolarWorld tout. La seule chose, c'est que nous utilisons des panneaux 295 watts et des panneaux 260 watts SolarWorld. Imaginons, depuis toute année sortie de passé là, après cyclone Mathieu, et système dans campé et ceci système dans de faible capacité parce que il y a un panneau solaire qui pas opérationnel qui donc il était obligé de faire d'arrache-pied pour gagner plus de génération solaire pour gagner plus de monde qui gagne courant. Pour le moment là, si on veut capable plugger tout le monde sur là, il y a capacité pour ça, il y a capacité pour ça, nous réparer tout panneau, nous réparer toute structure nette, toute bagage en forme, nous constater que toute bagage normal dès lors on capable connecter tout. Bon, nous très content pour l'initiative là pour compagnie à faire pour nous. Parce que depuis après cyclone, nous avons eu un courant. Cyclone est venu passer, il est venu craser tout le système. Nous sommes bien contents, nous sommes venus réparer le système. Pour le bon courant, nous avons apprécié ça. Le courant a commencé à marcher très bien. Mais pendant le cyclone est venu passer, il est venu craser là. Nous allons connaître si il a retourné de la même façon. Mais nous espérons quand même avoir un courant normal. 24/24. Le courant là, nous avons bien l'énergie propre.
et nous féliciter et directeur mon cap et bah énergie problème parce que nous avons courant 24 sur 24 tout et c'est pour nous pas jeune courant parce que nous avons et plus panneau nous pas jeune courant plus bien toujours nous avons là nous gain freezer nous là qui parler nous gain parce que moi gain freezer m'pas ko gain ni qu'on a mis acheter freezer par rapport gain a gain plus panneau et n'a bien content pour énergie propre là qui fonctionner qu'on là depuis après cyclone non nous pas de gain courant mais qu'on là c'est ça m'en vient renouveler on a nous jeune courant 24 sur 24 nous là très bien nous remets ça pour ça l'administration a fait pour nous là parce que nous remets ça bien donc comme ça nous fait courant comme ça bon nous fait tirer radio nous mettre frigidaire nous enfin nous petit lumière nous petite l'eau glacée nous là nous boire à l'aise bah vraiment important courant en forme malgré toute caillou va confiner depuis après cyclone là courant te vin craser net et après cyclone là après 2-3-4 mois, je retourne à Bayo. Mais bah, elle a très bien. Parce que même au nouveau machin qui a 20 bails glacés, il n'y a pas de courant là. Si machin ne vient pas de dégager, courant très important. Mais mon nouveau des élèves, oui, c'est là même que l'école a vu fermer là, mais pardon là, non ouverti. Pour aller cap venir là bien important pour les vieux. Les gars en pile importance pour nous parce que nous pas de cage venir et puis pendant nous venir nous très apprécier l'en pile. Qui ça nous fait à courant comme ça? Ça nous fait à courant et puis nous clorer maison non et puis nous gagner téléphone nous charger avec lui et puis parfois nous t'en veut travailler sur les couchers nous pas gagner le bon travail sur les couchers qu'on a nous venir nous content nous rendre en pile bagage sur les couchers avec lui. Sans courant pas de développement. Du tout. Absence courant, c'est absence, c'est absence de développement. Et on côté pas un courant, on côté perdu que lié. Comprenez? Donc c'est ça qui fait que dans tout pays qui a développé, courant sont force vitale que lié. Comprenez? C'est ça qui fait que la caille, nous besoin d'électricité. Comprenez? Nous besoin d'électricité dans tout coin pays à net, dans toute ville, dans tout tien dehors, nous supposé son obligation que lié pour nous gagner l'électricité. Les que compagnie balance à les Anglais, ils étaient là le temps. Comprendre son programme qui est très important. Très important. Parce que avec énergie propre, avec courant que nous gagnons les Anglais, côté que Blanc vin là, côté que nous avons pile bagaille que vient, nous allons étudier très bien. Nous pas étudié dans la langue encore, si nous pas étudié dans la langue encore. Donc, les améliorer coût. Gaz là pour nous, par exemple, nous avons utilisé n'importe 20 gouttes, 25 gouttes de gaz pour chaque soir. Nous avons 10 gouttes, 5 gouttes d'électricité, nous faisons un jour. Si nous mettons 25 gouttes de courant, c'est l'énergie propre, nous faisons n'importe une semaine. C'est pour faire éclairage seulement, pour nous charger téléphone, pour nous faire des DVD, nous 25 gouttes de courant, nous faisons une semaine. A dit que c'est très bon. Très bon. Et qu'on y a là, nous plongez, nous allumez le freezer, nous allumez le réfrigérateur, non. Tout le bagage marche bien. Comment? Tout le bagage marche bien. Est-ce que le système n'a pas de reproche, d'après vous-même? Du tout, il n'a pas de reproche. Vous comprenez que nous avons 10 gouttes, nous avons 10 gouttes d'électricité. Qui reproche qui gagne? Et l'aime acheter, il va me gober. Il va me faire 10 gouttes, il va me faire un fond, non. Je vais acheter pour 10 gouttes, il va me faire 10 gouttes. Il est fini, le campé. Et 10 gouttes, ça va me faire 2 à 3 jours. Pour me faire éclairage, il n'y a pas de reproche. C'est un avantage que lié pour son nom. Après les Anglais, là, nous parlons avec une responsable compagnie qui travaille dans la réparation centrale, les Anglais, pour nous voir à qui dans quel niveau de travail de réparation y est, et qui travaille là après l'opérationnel, et qui est au fait, pour avoir accès à courant, et sans problème. Il y a les Anglais ont expérimenté 24 sur 24 là avec question compteur prépayé avant Mathieu a frappé centrale là. Maintenant, il y a une disposition qui prend pour remettre centrale ça fonctionnel et avec responsable une pral qu'on est qui le et ba tête chaud pour que moun les Anglais pas dans question blackout là.
Ici, nous avons une centrale solaire qui existait depuis plusieurs années. Donc, il est en fonction depuis l'an 2015. En juin 2015, il était inauguré avec environ 250 clients. Et puis ça, au fur et à mesure, il était gagné au maximum 452 clients juste avant le cyclone Matthew. Donc, cette centrale-là, il y a une centrale qui gagne plusieurs sources d'énergie. Il gagne panneau solaire. Il gagne batterie et également il gagne une Delco backup qui permet que Villa décage un courant, il décage un courant 24 sur 24 avant cyclone Matthew. Donc ici nous avons qui est tout panneau là, d'accord, mais quelques semaines de cela, pas de gagner en pile panneau parce que nous avons perdu environ 60% panneau qui étaient allés dans le cyclone, donc qui représentent environ 40 kilowatts capacité nous, était diminué. Donc nous avons perdu également pile un poteau et puis ça en pile fil dans la rue qui était fait qui n'a pas de cas à transporter courant. Donc depuis l'année dernière, nous avons commencé à chercher financement pour réparer réseau A parce que les Anglais sont déjà habitués avec courant. Depuis qu'ils ont joint courant en 2015, nous avons tout en dit au moins soif courant. Donc il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait business, il y a un freezer, il y a un éclairage. Donc les gens ici ont réalisé que le courant c'est une commodité qui est importante pile, qui est essentielle pour vivre. Donc Cyclone Matthew, il était fait moun ici rappeler, fait songer comment il y est avant gagner cyclone, avant gagner courant dans les Anglais. Donc, il n'a pas aimé ça. Parce que c'est comme si il n'a pas qu'à agacé, il n'a pas qu'à arrêter sans courant. Donc, en novembre l'année dernière, nous avons engagé une compagnie qui a aidé nous à réparer tout fil dans les Anglais. Tout fil courant pour tension moyenne avec tension basse. Et ensuite, nous avons également engagé quelques électriciens dans la ville-là même pour commencer à remonter compte électrique. Compter avec connexion dans Kaimunyo. Donc, il y a un autre bagage intéressant avec réseau ici-là, c'est un réseau qui nous dit un réseau intelligent. Parce qu'il utilise compter intelligent. C'est un compter qui est prépayé, ça veut dire que les gens n'ont pas gagné une facture à la fin chaque mois, mais ils payaient avant et puis ça, ils rechargeaient compte automatiquement. Nous gagnons plusieurs gens dans les Anglais qui vendent courant, nous relais courant, nous relais plop plop. Donc, il faut que ça aille plop plop parce que vous achetez courant avec une vendeur et avant que vous gagnez arriver la caillou déjà gagne courant. Et donc, avec ce système-là, il est bon parce que les gens ne sont pas endettés parce qu'ils ont acheté ça qu'ils ont payé. Et puis ça, pour nous aussi, il est beaucoup plus facile pour gérer, nous pas besoin d'aller essayer de retrouver l'argent avec Moon. Donc, il est bon pour Moon, il est bon pour client, et puis ça, il est bon pour entreprise aussi, il est facile de gérer toute bagaille beaucoup plus bien. Donc, ici, après Cyclone Matthew, nous t'es réparé fil avec poteau, mais nous pas encore réparé panneau soleil. Donc, nous t'es gagné une partie panneau soleil, qui nous cas WDM. Qui était remplacé à travers l'État haïtien, mais il a fait un appel d'offres et une compagnie Green Energy Solutions qui a remporté l'appel d'offres là et il a été remplacé par le soleil dans les Anglais ici. Donc jeudi à, il a fini de remplacer toute bagaille et je pense à partir de demain, nous pouvons gagner une opération comme nous étions avant cyclone, donc nous sommes opérationnels à 100%. Donc, même si fil réparé, poteau réparé, panneau solaire réparé, tout le monde les Anglais peut encore joindre courant parce qu'il y a un pile monde qui gagne caille qui peut encore parer. Il y a un monde qui, depuis cyclone Matthew, il n'y a pas encore moyen pour réparer caillou. Donc, ce qui fait que nous atteignons parer pour nous cabailler au courant. Donc, pour centrale là, toute bagaille déjà prêt. Nous gagnons quelques batteries, nous devons changer bientôt. Donc, ça, c'est une limitation. Tout le monde joint courant 24 sur 24. Mais parce que nous avons quelques problèmes avec battre nous en ce moment, le soir, nous réduisons la capacité tout le monde. Mais sinon, tout le monde joint courant. Tout le monde qui est connecté avec réseau, il joint courant 24 sur 24. Donc, ça qui est intéressant avec réseau ici, c'est que donc réseau des Anglais, il y a un réseau qui est bien flexible. C'est-à-dire que l'ICA est adapté avec différents besoins, différents mondes. Par exemple, si un monde n'est pas en pile moyen, il n'est pas en pile demande courant,
nous gagnons un service spécial pour lui. Donc, par exemple, il y a un monde qui utilise juste en poule à charger le téléphone, il gagne un service qui relève lumière. Donc, lumière, il gagne un éclairage, il gagne un maximum 30 watts courant. Et puis ça, nous gagne plusieurs niveaux, jusqu'à un monde qui gagne, qui a utilisé freezer, qui a utilisé télévision, ventilateur. Donc, chaque monde, il y a un client pour ce système-là, il a fait un choix qui niveau il a venu. Donc, il dépend moyen monde là, et puis aussi d'après ça qu'il a besoin. Par exemple, nous avons quelques monde qui étaient reconnectés aujourd'hui. Ok, ils étaient venus pour signer contrat, nous rebâler courant. Et nous avons extrait information depuis avant cyclone. Il y a des gens qui, depuis avant cyclone, ont gagné 180 gouttes. Et aujourd'hui, ils ont venu signer contrat et 180 gouttes là, toujours sous compte. Nous avons transféré, ils jamais n'ont pas expiré, ou acheter une goutte courant, ou acheter 5 gouttes, 100 gouttes, 1000 gouttes, c'est combien vous voulez. C'est d'après moyen où et l'argent hein, ou pas perdre. Et puis ça, les monarchés courants aussi, nous pas tirer un pourcentage là-dedans pour payer l'autre bagaille. Si vous achetez 100 gouttes courant, ou même vous gagnez 100 gouttes courant. Nous pas dire, oh non, vous achetez 100 gouttes, mais là-dedans 90 gouttes pour vous et 100, et 10 gouttes pour nous. Non, tout 80, tout 100 gouttes là, il y a les pour clients. Hein. Nous sommes venus à partager l'expérience des Anglais avec vous, c'est ça. Il y a l'autre commune, un pays qui a fait l'expérience, et l'expérience qui pourrait très certainement être tenue sur tout le pays, puisque le président République Claire, avant longtemps, qui sont 24 sur 24 là, doit tourner. Il y a une réalité. C'est sous notre salle, on a mis en bout dans l'émission 1. Merci tout le monde qui est avec nous. Nous avons pris plaisir de faire vivre ça avec vous. Nous faisons plusieurs communes, nous faisons plusieurs départements. Nous sommes dans le nord-est, nord-ouest, nord, nous faisons centre, nous faisons l'ouest, nous faisons Grand-Ouest, nous faisons sud. Très certainement, semaine prochaine, on va tourner à plat, on va prendre le temps nous, et ensemble avec vous, on va regarder qui est en réalité à présenter dans le cadre de caravane changement. Bonne soirée à tout le monde, restez sous TNH.